Je vous invite à aller dans votre cuisine, ouvrez le gros tiroir d'ustensiles, puis prenez-vous deux grosses cuillères à soupe, là, les plus fortes, les plus féroces que vous avez. On vous attend pour la suite. Bon, là, j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Puis assurément, quand on sait jouer des cuillères dans un party, peu importe c'est lequel, c'est sûr que ça pogne puis que vous allez faire fureur. Dans la musique trad, dans un band trad ou bien une soirée traditionnelle, ben il y a les fameuses cuillères de bois. Mais je comprends qu'à la maison, vous avez sûrement pas ça entre les mains. Si vous en avez, tant mieux, vous les sortez. Sinon, ben les ustensiles de cuisine, ça va faire l'affaire. Pour avoir un résultat semi-optimal, il y a une méthode, il y a une façon de tenir ces cuillères. Vous allez les prendre, pardon, vous les mettez dos à dos, comme ça. Puis là, ben, pour que ça sonne, il faut placer son index entre les deux manches des cuillères, comme ceci. Et puis le but, c'est d'aller tenir la base de vos cuillères le plus fermement possible. Vous faites votre possible là-dessus. Parce que si vous y allez mollo, là, ben là, ça ne tiendra pas puis ça va jouer tout croche. Fait que là, c'est le temps de sortir vos gros muscles. Vous serrez ça bien comme il faut puis on va suivre exactement le même rythme que tout à l'heure quand on a fait le tapage de pied. On va faire du petit galop, mais avec notre cuisse, avec nos cuillères puis avec notre main sur le dessus. Donc, on va faire, on commence par cuisse. Cuisse, main, cuisse. Puis on commence toujours par en bas. Cuisse, main, cuisse. Ouais, cuisse, main, cuisse, exact. Puis si votre index est bien placé, c'est là que les deux cuillères vont bien sonner ensemble. Sinon, si c'est trop serré, ça ne va pas marcher. Là, dans le fond, en fait, on a besoin de vous autres. Le prochain numéro, puis le dernier, c'est moi puis je. C'est moi puis je. On se fait une espèce de compétition. Geneviève et moi, on aime ça se lancer des défis. Fait que dans le prochain numéro, ben, c'est une espèce de battle qu'on va faire. Fait que je me dis, pourquoi pas à la maison faire, vous autres aussi, une compétition de cuillères? C'est qui entre papa puis maman qui va être les meilleurs? Ou encore entre le frère puis la sœur? Soyez créatifs, soyez inventifs. Je sais que vous êtes capables. On va l'essayer avec la musique. C'est parti! Youhou!